Bonjour et bienvenue donc dans l'épisode 3. Donc, je vais rajouter un petit singe. On va faire un sol. Donc, en planche, ça ferait répétitif. Ça ferait tout en planche, ça ferait mieux. Donc, je vais essayer d'aller chercher ou même quérir, disons, c'est beaucoup plus joli à dire et à entendre. De... Ouais, sympa. De la pierre. Wow, j'ai du mal. Pareil pour rentrer. Je voulais quoi? Ça arrange ça. Je me disais aussi. Un ou un peu d'été en jouant comme ça. Bon. Certains le disent, certains le disent pas. Bon. On va essayer de faire un épisode peut-être un peu moins long. Je sais pas, on verra. Bon. Alors, il faut que je repère ma tour de bouse. Ou de terre, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'expression. Beaucoup d'entre nous appellent la terre de la bouse. Parce que ça ressemble plus à de la bouse qu'à de la terre. Mais pour moi. Voilà. Ça fait moche quand même. Ça fait... Bah, bah, bah. Ouch. Eh, mais moi, je suis un pro. C'est pas normal qu'elle soit aussi bien éclairée. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai mis un bright. Allons-y. Donc, on va essayer de trouver, par la même occasion, quelques minerais. Hein, ça nous ferait pas de mal. J'espère bien trouver un petit peu quand même. Je n'ai pas vu de montagne. Espérons qu'il y en ait quand même. Parce que... Voilà. Allez, c'est parti. On va creuser comme ça sur toute cette petite longueur, moi, ce petit. En fait, j'ai pas envie de creuser, enfin. On n'a pas envie de creuser la terre, on va dire. Voilà, un petit fond, quoi. En stone, non, ça le ferait pas. Seul en cobble, ça pourrait le faire avec ma cobble. Ah, je suis obligé en plus. Parce que je voudrais faire un truc assez joli. Puis comme ça, je récolte un max en plus. Donc. Pitié, je veux du fer, de l'iron, si vous préférez. J'aimerais trouver de quoi manger. Trop marrant. Bon. Est-ce que je m'arrête ici? Ouais, parce qu'après ça va être chiant. Bon. Sinon c'est moins joli. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ça fait sympa l'arche comme ça, ça fait style. Entrée de la Moria. Bon, voilà. Hop. On va se faire ma petite table de craft ici. J'ai pas pris de lit donc on risque de miner toute la nuit sans s'en rendre compte. Parfait. Eh bien donc oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais faire plutôt des escaliers. Voilà. Oups.
C'est sympa, mais pas encore ce que je veux. Bon, certains préfèrent le charme du bois, d'autres la pierre. Moi, j'aime bien les deux, mais faut avouer qu'au début, j'aimais pas du tout le bois. Je préférais de loin la si jolie pierre. Et donc là, je suis un peu, on va dire, dans mon élément, même si j'aurais bien aimé creuser plus vite. Je ne sais pas combien je suis en profondeur. Énorme en fait. Oh mon Dieu, merci. Oh là là, c'est magnifique. Maintenant du charbon. Normalement, il y en a toujours un petit peu quand même de charbon à côté de d'Iron. Ah. Je vais jeter un coup d'œil s'il fait nuit dehors ou si c'est moi. Non, moi c'est dans la grotte. Donc il y a une autre grotte pas loin. J'aime pas trop ça, à vrai dire. D'où ça peut venir en fait. Ah oh, de là. Oh. Ça, par contre, c'est pas cool. Heureusement que j'ai pris un peu de terre avec moi. Parfait. Oh, elle est belle en plus. Bon, allez. On va se faire un coffre. Bon, là, je me suis un peu éloigné de la plage, je le reconnais, mais j'ai pas non plus envie de faire une aventure chiante où je suis tout le temps à la plage. Donc, moi, je m'éclate comme je le peux avec ce que je peux. Non, on va garder de la nourriture, c'est mieux.
faire deux portes, ça va tout, c'est toujours utile des portes. Oh, là je peux. Dommage qu'on puisse pas empiler les portes, je me serais amusé. Il faudrait que je retourne à la maison. Vu que c'est une grotte, il faudrait quand même que j'aille assez de. Alors je joue très souvent en sécurité. Là, c'était plus une peur que de gros dommage, mais. La vache. Il m'a fait vraiment peur. Ouh la merde! Il y a un Enderman. Le seul moyen pour tuer un Enderman. Ah vache. Hé. Hey. La frappe. Putain.
On remonte. Ouais, petite peur là. Voilà. Wow! Oh! Vous l'avez vu comme moi. Ça surprend un peu, mais là, ça m'a pas fait flipper tout à l'heure. Putain. J'ai trop flippé. Allez, on y retourne. Ah mais lui il va pas m'en tuer beaucoup, après il va s'en aller, tu vois. Enfin il va s'en aller, il va se détruire plutôt. Hé hey, connard. Trop bien, hyper l'Enderman. Si je veux me tuer, c'est le meilleur moyen. Yeah! Everything is. J'ai pas du tout l'accent, mais c'est pas grave. On fait avec. Bon! Ah, du minerai. Puis pas n'importe quel minerai, du bon minerai. J'aime pas les grandes crevasses là qu'il a faites. Notch. J'ai pas le droit de dire le nom de mon dieu. Le gravier ou le sable, normalement, faut plus le gravier. Je m'en sers quand il y a de la lave. Simplement parce que le gravier, donc il est attiré par la gravité, on n'a pas besoin d'aller chercher un endroit pour placer son bloc. On pose le bloc de sable et il va directement boucher la lave. C'est super utile. J'aime pas ça du tout, j'entends des bruits de crépons. J'ai entendu un bruit de creeper qui se faisait comme tué, blessé. Bon, ça c'est classe. Ça c'est pas classe, c'est hyper cool. Le nombre d'iron que j'ai pas maintenant, superbe. Bon, je sens que ça va nous mener vers une autre caverne. Sûrement, très certainement même. J'aime pas miner comme ça en l'air parce que je vois pas vraiment ce qu'il y a et là je suis en hard en plus, je suis pas en easy. Easy on craint presque rien, c'est bien easy. Voilà. Prochaine aventure ça sera en easy, c'est très bien easy. Ah c'est à la surface, ils sont en train de cramer. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'autres grottes, peut-être qu'il n'y a que ça. On ne le saura peut-être jamais. Je parlais de crevasses tout à l'heure, pour vous dire en fait, parce que je suis souvent tombé dans des crevasses comme ça en minant du charbon. Et on tombe de très très haut. Et la chute fait très très. Ouh. C'est pas éclairé là. Il s'est passé quoi? Pourquoi c'est pas éclairé? Putain. Je croyais que j'ai flippé tout le monde. C'est bon, on se remet des émotions et on y retourne. Comment ça se fait qu'il était derrière moi lui? Putain. Ça c'était bien.
J'ai peur qu'il bat encore un peu vite là. Ça va, c'était pas un creeper. Je vais pas me plaindre. Ça a été un creeper, on en était foutrement plus dans la merde quand même. Ouais. Bon, alors. Ah putain. C'était génial. On y retourne. Quand même les alentours parce que bon il m'a surpris par derrière je ne sais comment puisque non, tout est éclairé donc normalement il devrait pas à surgir comme ça par derrière. Ah c'était ça que je voulais faire, merde, c'était des torches, pourquoi personne m'a rien dit. Putain. Ouais, il faut que j'aille m'en faire. Oups, excusez. Bon, bah, ça va être la fin du troisième épisode, donc bah, rendez-vous dans le quatrième épisode.